Bonjour et bienvenue dans le 29e épisode de ce Let's Play sur Betrayer. Dans le précédent épisode, on avait ouvert le passage pour aller vers la nouvelle carte. Alors, je me suis rendu compte qu'il y avait un texte que j'avais oublié de traduire. Le problème, c'est que ça fait trois fois que j'essaye d'ouvrir l'inventaire, trois fois où ça plante. Je peux pas l'ouvrir. D'ailleurs, à chaque fois que le jeu a planté, c'est en ouvrant l'inventaire. Alors, je ne sais pas d'où ça vient. Je vais changer de carte. Peut-être que là, ça va marcher. Alors, c'est ici. Je sais pas comment je vais faire si je peux pas ouvrir l'inventaire. Alors, bon, on va voir ici ce que ça donne. En plus, le texte était assez long. Alors, je vais regarder la carte. Donc, on va suivre le chemin là. Je vais sauvegarder. Et je vais ouvrir l'inventaire pour voir ce que ça donne. Voilà. Là, ça a l'air d'aller. Là, ça va. Ok. Bon. Alors, ce que je vais faire, je vais... Ça, je l'ai traduit. Ça, voilà. Alors, ce que je vais faire pour le retrouver plus facilement, je vais le laisser à l'écran quelques secondes, comme ça je pourrai le traduire de mon côté et vous en donner ma traduction plus tard. Voilà, donc c'est bon. Ok. Alors, donc on va aller. Donc là, le son ne marche pas. Hein. Ah, si. Alors, c'est très loin. S'il y a quelque chose, c'est très loin. Non, j'entends rien. Donc il faudra certainement être dans la nuit. Pourvu qu'il n'y ait pas les Indiens. Au moins. J'ai... Ah bah oui, bah. Je gâche des munitions. Allez, viens. Voilà. Oh, puis j'étais bien abîmé quand même là. Oh, c'est pas grave. C'est fait. Je suis perdu là maintenant. Ok. Donc vers le nord, c'est par là. Bon, encore des Indiens. Où c'est là. Non, là. Fais chier, j'utilise toutes mes munitions. Bon, je sais que j'ai toujours la place. Tiens, je vais peut-être utiliser le mousquet à la place. Le problème, c'est qu'il est un peu plus lent à charger. Mais je suis plus sur le chemin là, non, je suis plus sur le chemin, donc il faut que j'aille un peu vers le nord-ouest. Oui, alors là, je n'ai... Ah! Je me trompe de touche, saleté d'Indien. Allez. Bon, enfin au moins. Où est l'autre? Alors on va avancer pour voir, tant pis. Je me suis démerdé comme un manche. Alors, où je suis là? Ok, donc on va aller vers l'ouest. Faut que je trouve un point de sauvegarde. Enfin, pas un point de sauvegarde, mais un point de...
un lieu, une destination. Ils veulent me voir mourir. Ils veulent me voir mourir. Bon, je reconnais que je n'ai jamais utilisé le sneak, hein. Oh putain! Oh là 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 là. Bon, je vais mourir, je vais mourir. Oh là, je vais mourir. Oui, je suis vachement optimiste, hein, comme garçon, comme vous voyez. Non mais là, c'est juste réaliste. Hein, que j'espère, c'est aller suffisamment loin pour qu'il me rattrape pas, ou alors que je sois proche de. Proche de la sortie. Puis j'ai mangé toutes mes munitions pratiquement. Pour rien. Parce que je suis pas bien là. Puis je continue. Je persiste dans la bêtise. Je voudrais retrouver le bidon. Je voudrais retrouver la barrique. Elle est là. Eh, viens mon tonneau, viens mon tonneau. Voilà, viens des. Bon, on va se recharger puisque j'ai déjà consommé. Pourquoi? Ah ben je l'ai plus. Il est là. J'essaie désespérément de lancer mon. Voilà. Quand même, celui-là, je l'ai eu. Depuis le début, les Indiens me posent le plus de problèmes. Je vais aller refaire des munitions parce que. Est-ce que j'ai quelque chose à prendre? Bon. On va aller hard map for hope. Ouais, de toute façon, ça n'a pas d'importance. Voilà. Bon, alors c'est un peu long, mais là j'ai pas le choix parce que j'ai plus de balles de mousquet, plus de balles de pistolet. Donc il faut que je refasse un peu. Alors, le mal est tapi dans ces bois. Nous sommes tous maudits. Arme-toi, je pense. Je sais pas, arme, c'est le bras, mais est-ce que c'est aussi le fait de s'armer? Oui, arme-toi toi-même, de préférence avec mes marchandises, bien sûr. Ok, donc, exceptionnel charbon, oui. Exceptionnel mousquet. Bon, pour l'instant, je vais me reprendre des munitions. Je sais que j'avais l'arbalète, mais bon. Une petite seconde. Voilà, bon. Qu'est-ce que j'ai? J'ai rien de. Voilà, avec ça. Je pourrais avoir 12, ouais, 12 balles de mousquet. Ah ben je vais prendre ça. Tiens. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme prochaine arme? Exceptionnel charbon, exceptionnel longbow, exceptionnel crossbow. Ça peut être intéressant. Bon, on verra ça plus tard, hein. De toute façon,
fais voir mes munitions. Ok, bon. Alors, on va repartir à la forêt profonde. 3, 3, 6, 1, 7. Et je pense que c'est la dernière partie ici. Il me semble avoir vu que c'était en 7. 7 chapitres, on va dire. Donc, je dois me rapprocher de la fin. Oh, attendez, j'ai peut-être. Est-ce que ça a planté quoi? Non, j'ai pas le curseur qui bouge, j'ai rien qui bouge. Non, c'est bon. Alors, attendez. Je me demande si je vais pas aller vers ici. Donc, vers l'ouest. Non, attendez. Si, vers l'ouest. Les sauvages m'embêtent. Je suis venu les tuer en paix. Bon, encore une fois, donc ça se confirme. Ah, si. Il y a un vague bruit. Donc, il faudra peut-être que je remonte un petit peu. Nord-ouest, mais légèrement. Et puis là, les Indiens, ils m'attaquent à plusieurs, hein, quand même. Je trouvais les Espagnols plus, entre guillemets, faciles. C'est quoi, c'est une cabane, ça? Où est-ce que j'ai vu une cabane? C'est pas une cabane, ça, c'est un âne. Alors, on remonte un petit peu. Bon, là pour l'instant, ils me foutent la paix. Alors, je reviens sur les critiques que j'avais pu voir à propos de ce jeu, disant qu'il n'y avait pas beaucoup d'ennemis. C'est vrai qu'il y en a assez peu. Il faut le constater, on peut dire. Voilà. Il y en a assez peu, il y en a 5 ou 6 au maximum. Quel con. Putain. Que j'ai caché pour ça. Oui, donc je disais, il y a 5 ou 6 ennemis maximum. 5 ou 6 types d'ennemis, c'est vrai que c'est assez peu. Tiens, c'est quoi là? Je vois une caisse là. Non, attendez. Oui, il y a une caisse. Mais bon, ça, je verrai ça une autre fois. Donc on va aller vers, comme je vous ai dit, je vais vers là, donc. Je continue, je descends vers le sud. Non, il faut que j'aille vers l'ouest. On va couper à travers champ. Là, j'ai du mal de les gérer, les Indiens. Vraiment du mal. Je le trouve sympathique, ce jeu, mais c'est vrai que le nombre d'ennemis est assez faible. C'est dommage, ils auraient pu. Il n'y a pas de vie du tout. On entend des oiseaux, on entend, mais il n'y a pas de vie. Oh, encore. Ah, donc là, il faut que j'aille au sud. Et genre, ouais. Tiens. Oh putain, ils sont 4, ils sont 3 là. Je peux pas grimper là, je suis sûr. Non, je peux pas. Allez. Ah oui, ben voilà, t'es mort. Ah, puis t'es loin maintenant pour te retrouver. Pour trouver tes. Chut.
Bon, on va aller rechercher. On va aller rechercher pas mon inventaire, parce que mon inventaire, il n'est pas perdu, mais chercher mes... Ah, mon argent, voilà. Charger en vie, ça va. L'avantage, c'est qu'on n'était pas loin. Une petite seconde. Dépêche-toi, Brennus. Allez, hop, voilà. Ouais, il voulait son biscuit, mais il traînait pour le prendre. Je peux pas lui prendre ça. Trois munitions. Mousquet. Et puis je suis assez loin là de là où était mon argent, ou de là où se trouve mon argent. Sa saleté, il m'a touché. Ah, le problème, c'est que là, je suis obligé d'y retourner. Ah, bon sang. Je suis obligé de retourner à mon point de départ. Parce que j'ai déjà consommé mes deux rations de gourde. Et je peux pas me permettre de repartir comme ça. Ah, je vais de nouveau galérer comme j'avais galéré. Je sais plus quelle partie. C'est quoi? Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Ils sont très difficiles, les Indiens. Enfin, pour moi. D'autres les trouveront peut-être moins difficiles, mais... Ah putain, mais il n'y a pas eu le bruit, là, cette fois. Ah bah voilà, ça y est. Bah heureusement que j'ai acheté le comment dire, exceptionnel pistol. Attendez, une mousquette, oui. Heureusement que j'ai acheté la rallonge, l'extension du nombre de munitions que je pouvais transporter pour les pistolets ou pour le fusil. Comme ça, au moins, j'aurais dépensé de l'argent. Je ne l'aurais pas perdu. Bon. Je vous prédis un grand moment de galère, hein. Il y a un grand moment de galère. Il y a du monde. Car pour l'instant, chaque fois qu'il y a eu des Indiens, putain. Et puis encore une fois, je mange toutes mes balles. Ah, puis je fais n'importe quoi.
putain. Ah putain. J'ai complètement merdé là encore une fois. Bon, là, je retourne au bidon. Au tonneau. S'il me laisse le temps d'y aller. Là, je peux décemment pas y aller. J'ai déjà du mal en ayant les deux rations et ma vie à 100%. En plus, j'ai mangé la plupart de mes munitions. Qu'est-ce que je peux bien faire? La fois... Il n'y a rien là. Quand j'avais eu la galère, j'avais trouvé la solution en prenant par un autre chemin. Ah bah tiens, je vais aller par là-haut. Vers le nord. Ah mais là, s'ils m'attaquent tous les 50 mètres, je peux pas faire le poids. Ils sont trop rapides. Trop rapide. Voilà. Encore une fois, je préfère quand c'est les squelettes. Plus facile à gérer. Même si la dernière fois que j'ai dit ça, je me suis fait... laminer deux ou trois fois. L'ouest. Ah, c'est quoi ça? Ah, la cloche. Bon, c'est déjà ça. Putain, il faut les toucher combien de fois, bon sang? Ah. Au moins, c'est bon, celui-là, je l'ai eu. Bon, déjà, j'ai débloqué un coin. Alors là, il y a un papier. Alors... vous devez me croire que c'était Tabitha Markley que j'ai vue. Elle se tenait une clearing, alors je ne sais pas, peut-être une clairière. Je vais prendre quelques secondes, si je trouve mon dictionnaire. Où est-ce que je l'ai... Il est là. Une petite seconde. Hop. Clearing, 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 clearing. Clearing. Ah, dans une éclaircie, dans un défrichement, dans une clairière, oui. Les arbres autour d'elle étaient abattus ou sont tombés et morts, et des esprits noirs dansaient à son sujet. Oh là, c'est médiocre comme traduction. About her. La flèche si je peux. Non. Mais ce que je vais faire par contre,
Ça, je l'aurais peut-être pas trouvé. Hein. Je l'ai trouvé vraiment par hasard, ce coin, avec la cloche. Hein, donc, c'est bien. Donc, je vais sauvegarder. Et je vous remercie d'avoir suivi cet épisode où vous m'avez vu galérer. Ça faisait un moment que je n'avais pas galéré sur ce jeu. Bon, en espérant qu'il vous aura plu et qu'on se retrouvera dans le prochain. Voilà. Merci. Au revoir.